ensemble. Est-ce que vous pouvez faire les mêmes exploits qu'on vient de voir à l'instant là? Alors aujourd'hui, nous allons parler de littérature un peu plus polissonne. Oui, parce qu'il s'agit de livres de baisse. Oui. Quand même un problème, c'est que quand je regarde mes titres, ils sont plus ou moins, et bien à chaque fois les gens sont perdus. C'est clair. Là, c'est bon, c'est quelqu'un qui va être perdu dans le monde amérindien. Là, c'est Mirage d'une enfance perdue. Là, c'est les disparus du Kera. Oui, là, oui, c'est perdu, oui. En Guyane. Le sud des Balines. Non, mais c'est vrai qu'il y a. Non, mais attends. Il y a un problème là. Il y a un problème. Mais... Oui. Mais ce sont des livres qu'on peut lire en tout bien tout honneur quand même. D'accord. Mais dis-moi. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un sketch? Les clous ont des très grandes godasses. Oui. Tu sais en quoi sont faites les semelles de ces godasses? Pas du tout. Je connais pas, c'est pas encore. Ah non, pas du tout. Eh bien, elles sont faites en langue de belle-mère. Parce que ça marche toujours et ça s'use jamais. Ça, c'est extraordinaire. Alors, là, bravo. Jean-Claude Bèze, extraordinaire, spécial Guyane. Merci, ça aurait été très sympa. Je vous aurais joué un petit cadeau sur une scie de coffreur. Waouh. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Martine Pilate. Le beau roman de notre région et d'ailleurs, ouais. Avec des intrigues et notamment le dernier paru, c'est le roman des passions et des différences. Waouh! Excellent, excellent. Et Jo, ça va? Ça se passe bien? Alors lui? Ouais, forcément. Ça, c'est une histoire de plein de gamins, de mots, de suspense. Aussi. Fantastique. Ah, excellent. Ça, c'est une histoire différente. Et alors, je vais tout raconter, mais alors. Ça devrait bien se passer normalement. Ils vont perdre leur chien. Ils vont perdre. Et en plus. Alors, c'est quoi votre prénom? Marie-Amélie. D'accord. C'est joli comme prénom. Ce que vous lisez, ça fait que vous pouvez penser à qui? Bah, on retrouve essentiellement du Baudelaire quand même. Enfin, on peut remarquer que vous inspirez quand même du Baudelaire. Ça fait plaisir d'entendre ça. En même temps, Baudelaire, voilà, c'est... Il y a pas mal d'auteurs qui s'inspirent de lui et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à bien faire transmettre ce qu'il arrive à faire transmettre, mais ouais. Ouais, et puis Lou Reed, le Velvet Underground, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Le Velvet Underground? Non, je ne connais pas. Eh bien, il faudra découvrir. David Bowie, Iggy Pop, tout ça, vous connaissez un peu? Pas du tout. Major Lazer, vous connaissez? Ça, ouais. Ah, ça, oui, voilà. Oui, oui. Edith J. Snake. Oui, aussi, oui. Voilà, on va la trouver. J'essaierai d'y penser. Alors, Mirabelle. Mirabelle Varane, enchantée. Bonjour, Mirabelle. C'est pas mes livres. Tu t'es pas pris une prune? Non, moi, je suis désolée. Pardon? Tu t'es pas pris une prune? Non, je me suis pas pris une prune, non. Ah, c'est intelligent. Ah, ça, c'est intelligent. Qu'est-ce que c'est, Varane? T'as rien à dire sur Varane? Alors, Varane. Ça te dit rien, Baran? Baran, c'est général, le singe. Voilà, en général, on me dit que c'est pour me faire relever. Non, mais si ça te met en colère. Non, ça ne me met pas en colère, mais elle, t'as pas de colère bientôt. Ah non, pas de colère. Pas de colère. Soyons de calmes. De simple, de doux et mignon. Ils vont perdre. Et en plus. Thank you.